Oh là, laisse tomber. Non, non, parce que hier soir, je suis sorti. J'ai fait les 3 saisons de Narcos, là. Putain, extraordinaire, le mec qui joue Pablo Escobar, là. C'est incroyable. Sinon, je suis passionné par... Alors, vous allez peut-être un peu rigoler, mais tout ce qui est lié au dictateur. Je dirais que c'est un combiné fascination-répulsion. J'avais annoncé le transfert de Mahrez et de N'Golo Kanté à Leicester. Sur le coup, tout le monde s'en foutait un peu, mais 2 ans plus tard, ils étaient champions d'Angleterre et toute la planète les connaissait. Tu sais, un jour, moi, Erding, il quitte le Paris Saint-Germain, il met ses affaires dans son coffre. J'ai un copain à ce moment-là qui travaille au Camp des Loges, il m'appelle, il vient me dire, je viens de croiser Erding. C'était le gardien, il m'a dit, bah, il a mis ses affaires, il part à Rennes. Tu sais, ça fait un peu sourire cette histoire de chicha, mais c'est la vérité. Ouais, c'est un nid d'info. C'est pas égoïste parce que je le suis pas. Ah, ouais, d'accord. Mon parfum préféré, je fume pas trop en fait, pour être franc. Je suis plutôt à prendre du thé, quoi. Ou à l'amiante, mais ça c'était à Jussieu, faut aller dans une chicha à Jussieu, il y a du thé à l'amiante. Pas de cocktail monotone. Alors je sais que c'est une comparaison qui a fait office de cocktail Molotov. C'est que lui, évidemment, il a gagné une Coupe du Monde avec le Brésil et Benzema, lui, n'a pas gagné de Coupe du Monde. Et Romario, c'est 20 buts en Ligue des Champions, Benzema, c'est 51. Benzema, il restera dans l'histoire dans 20, 30, 40 ou 50 ans parce qu'il a fait partie d'un truc qui s'appelle la BBC. Bon, si je le compare avec un grand attaquant brésilien, pour moi, il n'y a rien de scandaleux, quoi. Organise une session extraordinaire à l'ONU avec le Conseil de sécurité. Il y a 2 choses qui me tiendraient à cœur, que Donald Trump et la Corée du Nord finissent par se parler et que Benzema et Deschamps finissent par se parler. Oh là, laisse tomber. Non, non, parce que hier soir, je suis sorti comme ça de manière impromptue. Ça m'arrive rarement. Je me suis retrouvé dans un endroit où bon, j'ai découvert un peu les musiques là, du moment, là, Charo là, et tout. Matuidi Charo, là, c'est Niska, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle. Un peu style de musique là, qui me traverse l'esprit. Là. Par contre, il faut pas, au niveau des aigus, bon, c'était pas terrible. Bon, ouais, parce qu'on capte pas toujours trop ce qu'il dit, le gars. Hey, drown in my soul. Ok. Bertrand Latour, je suis au VIP avec Hicham, viens. C'est drôle, non? T'es où? C'est beaucoup mieux là. Voilà, si on est là pour se marrer, de toute façon on est humain, hein, je veux dire, pas se cacher non plus. Hein. T'as voulu la vie de Tony dans la rue, mais l'addition est salée. Ne joue pas les pros dans la street, tu te feras monter par un...